Hello, welcome back to my channel. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans la salle de bain pour faire quelques coupes de cheveux pour la fin d'année ou pour n'importe quel événement ou n'importe quelle raison du monde pour changer ses cheveux. Le tout avec des cheveux 4B, 4C naturels. On compte pas les mèches. Il n'y aura pas d'extension, c'est pas full gel, c'est pas que plaqué. Le but, c'est de changer un petit peu, de faire des vanilles, des twistades. Bon, vous allez voir de toute façon. Je vous illustrerai tout ça avec mes coupes de cheveux que je fais aussi dans l'année. Donc, je vous mettrai des photos ou des vidéos. Si ça vous intéresse, n'oubliez pas, on aime, on partage, on commente, hashtag Sidoki, hashtag Vlogmas. Et c'est parti pour la suite de la vidéo. Désolé pour le changement de qualité de format. J'ai plus de place dans mon téléphone. Raison de plus pour me soutenir, pour un jour avoir les fonds pour acheter une caméra, parce que mon téléphone n'en peut plus. On va essayer de prendre une partie là, qu'on va, hop là, on va essayer de, voyez. En gros, tu prends une partie qui est là et tu switch, tu tournes pour, hop, claquer un peu ça. On fait vraiment du freestyle, hein. Je fais comme je le sens, hein, je vous le dis, il n'y a rien de préparé, bon, je pense que ça se voit. Vous voyez un peu ce que ça donne? Comme ça, ça rehausse un peu ce que t'as. Un petit twist. Je sais toujours pas comment je vais m'habiller et me maquiller et me coiffer pour Noël. Peut-être que je vais faire ça, honnêtement. J'en sais rien. Tu vois, ça fait une petite vague là. Et ici derrière, tu ressors. C'est vraiment pour dire d'accompagner le premier rouleau qu'on a fait ici. Hop là, on le tourne. Et on fait, vous voyez? Attendez, je vous le montre là. Là, on imagine que on a notre partie, le reste du petit tube qu'on a mis là. Et on le tourne pour que ça dégage un peu la zone. Eh, il y a quelque chose, non? Ah, attendez. Là, j'ai réussi à refaire la petite boucle. Faudrait que je la repasse ici. Qu'est-ce qu'on fait? On attache derrière, on laisse sortir. Avec cette coupe, tu claques un petit make-up, un peu eyeliner, bref, années 50 ou je sais pas quoi, là. Je me dis, ça peut être joli. Mais vous avez compris l'idée, quoi. Là, on va repartir sur les trucs d'attacher et tout et tout. Mais ce qui peut être bien, c'est de soit faire un premier puff ici et de laisser le reste en afro, ou alors de faire tout attaché vers le haut. Comme d'hab, faire les sections. Là, ce qui s'offre à vous comme choix, c'est soit un chignon vers le bas, pardon pour le reniflage, soit un chignon milieu, soit un chignon vers le haut, soit afro, pas pareil, juste afro sorti, enfin voilà quoi. C'est bien ce diffuseur, vous voyez, vous appuyez une fois, ça envoie. Il faut les détendre, les assouplir, les nourrir. Je vais vous dire tous les verbes, mais c'est vrai. Voilà, ces petits cheveux là, vous voyez, qui souvent sont cassés par le gel ou par la force de tirer tout le temps sur les cheveux, des choses comme ça. Il ressort beaucoup plus, vous voyez. Ça, c'est une brosse, mais géniale pour tout ce qui est plaquage, vous voyez. Ça vous fait un truc, mais propre, mais propre. Moi, je suis pas une grande adepte du gel. J'en mets un petit peu quand je veux vraiment faire un truc, voilà, pour que la réelle soit propre. Bon, là, j'en ai mis tout à l'heure, donc... il n'y a pas besoin. Après, moi, j'aime bien être à l'envers. Ne me demandez pas pourquoi. Puis là, je vais avoir mes longs ongles. Donc, je vais faire ce que je peux. Vous voyez un peu? Là, j'ai bien mis vers le bas. Bon, c'est pas parfaitement plaqué, mais vous avez compris l'idée, quoi. Heureusement que le ridicule ne tue pas, hein, sinon, cette chaîne n'existerait plus. Si vous voulez faire 2-3 tresses, vous pouvez. Si vous voulez juste avoir un petit chignon au-dessus, tu vois, tu peux après faire un petit chignon comme ça, si tu veux. Hop. Si tu veux, je vous fais vraiment des trucs comme ça, hein, en tête. Hein. Si tu veux, hop, twister. Ah, il n'y a pas un dessin animé de Disney avec ça? Mouah. Si t'as envie d'avoir un palmier, tu peux... Ça peut faire très propre pour Noël. Tu vois, t'as ton chignon bas, tes cheveux plaqués, paf.
Bon, t'as compris l'idée, quoi. Il t'en met une troisième derrière. Et dessus, tu mets un truc un peu plus mimes. Il y a vraiment le avant-après. Et enfin, le dernier, celui vers le haut. Hop là, vous mettez tout en hauteur. On va garder les deux petites mèches pour l'effort. C'est fou parce qu'on dirait tellement que j'ai pas de cheveux. Si je les avais mouillés là, j'aurais pu faire un beau chignon haut bien claqué. Mais j'ai pas envie de les mouiller. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, j'ai fait mon maximum pour vous donner des petites idées. C'est pas dingue, hein. C'est 2-3 tours de magie. Des 3 tours d'ongles. Mais ça peut donner de l'inspiration pour les fêtes. Après, si vous avez des looks, n'hésitez pas à me les montrer sur Instagram, à me les envoyer en DM. Il n'y a pas de souci, je serais trop contente de les voir. Je vous souhaite de passer une belle fin de journée. On se dit à demain. Mouah.